Chamou falei, bom pra matéria.
les petits aussi, ça veut dire que c'est le plus que les rossignols, parce que lui, il monte encore plus que moi. Ah oui. Luciana de Vigrando, les rossignols, merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir, mesdames et messieurs, la seule dame qui de la scène. Mais je compte. Ah. Total à autres allons. Alors, elle nous vient du Congo. Ni plus ni moins, mais elle vit à Paris, ni plus ni moins, c'est la meilleure chanteuse congolaise des moments. Elle s'appelle, alors, VG30. Est-ce qu'on peut applaudir VG30 VG30 Ah VG30 Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, VG30 Mais j'ai 30. Comment est le public à Bruxelles? Il est. Tu vas chanter d'abord. Tu vas chanter. Mesdames et messieurs, on laisse la scène. Mais j'ai 30. J'étais un peu fâchée. Je suis fâchée parce que
Je pense que tout ce monde qui défile ici, les grands, les papas, les aînés, ils ont vraiment eu le temps de rester avec Papa Wemba, de travailler avec Papa Wemba depuis très longue. Et moi, j'ai commencé juste à vraiment m'approcher de lui et tout, voilà, juste quelques temps, il y a 5 ans. Et du coup, le mec, il part quoi? Hein? Le mec, il est parti. Il m'a abandonné. Hein, tout ce qu'on avait, les projets et tout, voilà, il est parti. C'est pour ça que je suis fâché. Mais je pense que vous tous qui êtes là ce soir, vous connaissez mieux Papa Wemba que moi. J'aimerais vraiment, 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 s'il vous plaît, qu'on applaudisse très, très, très fort pour Papa Wemba. Et la chanson que je vais chanter tout à l'heure, c'est Mama Rosa, une chanson qu'il a dédiée à sa charmante épouse, Mama Rosa. Bye.
c'est Naïka de Young qui va nous présenter une autre facette de Papa Wemba. Naïka de Young. Merci Claire, bonsoir, est-ce que vous allez bien ce soir? Moi je veux voir quelque chose avant que Papa Wemba se retire de cette terre. Il avait fait un geste, moi je veux voir tout le monde dans la salle faire ça. Je vais commencer
Kéké ce soir. Assez-vous, c'est bien. Tu le sens. Pas au nom de Kéké. En vrai. Ils vont revenir pour la deuxième. Pour le deuxième passage. Moi, j'aimerais bien un peu savoir quelque chose. Ah, tchao, qui t'a mis. Ils ont permis à ce que la mode soit valorisée ici en Belgique et partout dans le monde. On les appelle les jeunes de 10. Ils vont encore revenir, j'espère qu'ils sont prêts. Thank you.
Ika de Young, Ika avec les sapeurs, Ika de Young. Merci ma jeune sœur, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que la technique est prête? Papa Oum veut nous parler ce soir. Elle a tourné spécialement un reportage pour vous. Certes bref, mais il a quelque chose à nous dire. Est-ce que la technique est prête? Comme nous sommes en direct, laissez-leur le temps de monter cela. Ça va prendre une, deux, trois. Voilà. Est-ce qu'on peut garder silence? On peut mettre le son et on écoute Papa Wilma. Est-ce qu'on peut couper la lumière ici? Merci. Le volume. Sinon je vais demander de répondre le reportage. Est-ce qu'on me voit là-bas? Hop. Est-ce qu'on me voit? On peut répondre et puis mettre le volume, le son. Merci. Je veux bien que Olivier Chimanga parle, mais bon. Si on peut. Alors. On va couper l'image. Merci. On peut reprendre en mettant le son. On peut mettre le son en reprenant l'image. Pépé Féli, toujours avec une chanson composée par Papa Wemba. Mettez la vérité. Suivi de Chouchouna. Et nous laissons la place à Pépé Féli, Yann Koy, Malage de Longuendo, Béli. Ah, à vous la place les artistes. Sous les applaudissements du public. Merci.
Rico ensemble. Na papa nangai, papa Wemba. Na Josar Nyoka. Longo. Vamos de Mbappé Sakibiso. Babou. Otto. Comme un peu bandouliste. Nena zama komo nene mwana tena zoto mikiona. Ambiaka. Merci. Merci.